D'un salon à un autre, pour un écosystème audiovisuel et cinématographique africain pourvoyeur d'emplois à l'ère du numérique, c'est le thème du Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan, le SICA, qui va se tenir du 22 au 23 novembre 2023. L'objectif de cette activité est de soutenir des projets concrets, surtout la création d'incubateurs avec les producteurs et distributeurs, ainsi que le soutien à l'émergence de nouveaux talents et de contenus innovants. Et nous pensons que le SICA est une ouverture vers ce monde-là qui peut apporter beaucoup au financement de ce secteur. Nous avons également invité des étudiants, de nombreux étudiants, issus des plus prestigieuses écoles de formation en audiovisuel de notre pays. Je dois indiquer que, le retour sur investissement sur ce secteur est un risque qu'on prend sur le long terme. Manuellement, c'est un risque qui marche toujours. Donc, notre rôle, évidemment, c'est de présenter le secteur aux banquiers qui déjà commence à montrer un intérêt sur ce secteur. Le ministre a précisé que depuis une décennie, en dehors de la libération de l'audiovisuel, l'avènement du support numérique impose plus d'imagination et d'invention aux acteurs en termes de promotion, de création et de contenu.